Buckingham Palace a choisi de ne pas publier de rapport d'enquête sur les allégations selon lesquelles Meghan Markle aurait intimidé des membres du personnel royal. La duchesse de Sussex a été accusée d'avoir intimidé le personnel du palais avant de quitter l'entreprise en tant que membre de la famille royale et de déménager en Californie avec le prince Harry. Une enquête a ensuite été lancée qui a conduit le palais à améliorer les politiques et procédures de son service RH, selon des sources royales. Cependant, les conclusions de l'enquête, qui a été financée en privé par la reine, ne seront jamais publiées. Il est entendu qu'ils seront gardés secrets afin d'éviter d'attiser les tensions entre les Sussex et le palais, ainsi que d'assurer l'anonymat de ceux qui y ont participé. Les courtisans ont insisté sur le fait que l'enquête, qui a été lancée en mars de l'année dernière, ne devrait pas se dérouler en public pour s'assurer que ceux qui y ont participé se sentent à l'aise. On pense que seuls 4 ou 5 anciens membres de l'équipe des Sussex ont été interrogés dans le cadre de l'enquête. Le couple aurait parfois eu environ 25 personnes travaillant pour eux, mais rien n'a été entendu des personnes impliquées dans les allégations depuis l'été dernier. Deux cadres supérieurs ont accusé Meghan de les avoir intimidés tandis qu'une autre ancienne employée a déclaré qu'elle les avait humiliés. Une autre assistante a déclaré qu'elle avait utilisé la cruauté émotionnelle et la manipulation, qui pourrait également être appelée intimidation. Meghan, 40 ans, a nié les allégations et a déclaré plus tard que le palais utilisait les médias pour colporter un récit totalement faux lors de l'interview explosive du couple avec Oprah Winfrey. Les changements RH apportés à la maison royale devaient être publiés dans le rapport annuel Sovereign Grand plus tard ce mois-ci. Cependant, le palais ne publiera pas ces changements qui ont été apportés par l'enquête et n'a pas l'intention de faire une déclaration publique, selon le Sunday Times.